Hello, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors, je m'appelle Corinne et sur cette chaîne, je t'aide à aimer, comprendre tes cheveux naturels et savoir en prendre soin efficacement. J'ai également une boutique en ligne, McAfee Collection, sur laquelle je propose des outils et accessoires capillaires pour t'aider à mettre en place une routine capillaire adaptée à tes cheveux et à ton mode de vie. Et justement, aujourd'hui, on va parler de cette boutique en ligne-là puisque j'ai ma nouvelle collection qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais te présenter cette collection-là. Et ensuite, je vais te montrer un petit peu comment j'emballe et expédie les premières commandes que j'ai reçues. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, cette collection regroupe 4 produits, dont 2 qui étaient déjà sur la boutique avant et 2 nouveautés. Donc, pour ce qui était déjà sur la boutique avant, on a les bonnets hydrate nuit et les foulards hydrate jour. T'inquiète pas, je vais tout expliquer, je vais te dire ce que c'est, à quoi ça sert, je vais te montrer également ce que c'est exactement. Mais d'abord pour la partie un petit peu théorique, on va dire, il y a les bonnets hydrate nuit et les foulards hydrate jour. Et pour les nouveautés, on a les bonnets auto-chauffants et des peignes afro en bois d'ébène. Donc tout d'abord, les bonnets hydrate nuit, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont ces bonnets-là que je te montre assez souvent dans mes vidéos d'ailleurs. Ce sont des bonnets qui sont en satin. Ici à l'intérieur, donc c'est le satin qui sera en contact des cheveux et en wax de l'autre côté pour le côté esthétique. Ces bonnets sont à utiliser le soir, donc pour la routine du soir. En fait, c'est des bonnets avec lesquels tu vas dormir et qui vont te permettre de maintenir l'hydratation dans tes cheveux toute la nuit. Ça va également t'éviter d'avoir des frottements, donc d'avoir des frottements entre tes cheveux et ton coussin et ton lit, etc., qui sont en général en coton. Donc on a en général des têtes d'oreiller, de la literie en coton, et le coton c'est une matière qui absorbe énormément. Donc si tu as hydraté tes cheveux ou tu les as nourris avant d'aller te coucher, si tu ne mets pas de bonnet en satin ou en soie, ça va, le coton va vraiment absorber tout ce que tu as mis. Donc grâce à ce satin, en fait, tu n'auras ni ni frottement, donc ni casse. Donc tu vas limiter en fait la casse de tes cheveux en portant ce bonnet là puisque le satin, tu le vois, je pense même dans la vidéo, que c'est une matière qui glisse assez, alors que le coton, ça va être une matière qui va vraiment absorber et quelque part s'accrocher un petit peu, faire des frottements sur tes cheveux. Donc je vais te montrer tous les motifs, il y en a 6 en tout, et en fait tu retrouves ces motifs là pour les bonnets hydrate nuit, mais également pour les foulards hydrate jour. Donc je vais pas tout te montrer à chaque fois puisque ce sera le même ce sera les mêmes motifs, mais je vais te montrer donc là tous les motifs qui existent, et ensuite tu comprendras que pour les bonnets hydrate nuit et les foulards hydrate jour, c'est les mêmes motifs. Donc d'abord, pour les bonnets hydrate nuit, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie des bonnets hydrate nuit élastiques. Donc c'est ce type de bonnet là, donc élastique. Ici tu as un élastique là qui te permet, voilà, de convenir à la plupart des tours de tête, mais il y a également les bonnets hydrate nuit ajustables. Donc ici j'ai un bonnet hydrate nuit ajustable, et ici tu vois que tu as un cordon qui va te permettre en fait d'ajuster, comme son nom l'indique, à ton tour de tête. Donc si par exemple tu veux l'utiliser pour un enfant, ou même si c'est pour toi mais que tu as un tour de tête plus petit ou plus grand que la moyenne, on va dire, ça va totalement te servir. Et même si tu as un tour de tête entre guillemets normal, même s'il n'y a pas de tour de tête normal, et que tu préfères quand même avoir la main sur la façon dont tu veux serrer ton bonnet, bah c'est ce type de bonnet hydrate nuit là sera parfait pour toi. Donc avec le cordon, tu vois que tu peux vraiment serrer, donc pour un enfant il n'y a pas de souci. Et si tu veux un peu plus grand, bah tu peux également le faire grâce à ce petit cordon là. Donc on va commencer avec les motifs. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, il y a ce motif-ci. Et tu vois que les bonnets, ils sont grands. Hein. C'est des grands bonnets. Donc, ils sont plus grands que ce qu'il y avait avant sur la boutique. Donc là, c'est plus grand et ça te permet même de l'utiliser quand tu as des coiffures comme des braids, un crochet braid ou quoi que ce soit. Si tu as des mèches, tu peux également utiliser ces bonnets-là. Ensuite, tu as ce motif. Donc, ce que je t'ai montré tout de suite là avec le bonnet ajustable. Ensuite, tu as celui-ci. Comme ça. Ensuite, tu as celui-ci, bien sûr, tu as toutes les photos sur le site. Et si tu veux avoir plus d'informations, plus de détails concernant les produits, tu as absolument tout sur le site dans chaque fiche produit. Hein. Donc, n'hésite pas à aller regarder si tu as besoin de plus d'informations, que ce soit pour les dimensions ou tout ce que tu peux avoir comme question. Et si jamais tu ne trouves pas de réponse à ta question, n'hésite pas à m'écrire directement par mail ou même sous cette vidéo. Donc voilà, et le nom de chaque motif correspond à en fait
un mot qui a été traduit dans d'autres langues d'Afrique en fait. Donc sur Instagram, il y a quelques semaines, j'avais demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram de me donner la définition de quelques mots, notamment foi, cheveux, beauté, briller et un autre mot que j'oublie. Donc merci déjà à toutes les personnes qui ont participé à ce petit sondage-là. Donc ça m'a permis de donner des noms en fait dans des langues de pays d'Afrique. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit-là que je voulais donner un petit peu à cette collection, cette diversité-là aussi que je voulais offrir et mettre vraiment l'Afrique en avant, comme d'habitude. Donc je ne l'ai pas précisé, mais tous les articles ont été confectionnés à la main, avec amour, au Togo, donc dans mon pays d'origine, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, donc tout a été fait là-bas. Et pendant le mois de décembre, toutes les commandes de plus de 20 euros, donc j'ajouterai en fait un cadeau dans toutes les commandes de plus de 20 euros. Voilà. Donc si tu passes une commande de plus de 20 euros sur le site pendant le mois de décembre, tu auras un cadeau qui sera rajouté à ta commande. Donc voilà tous les 6 motifs qui existent pour les bonnets hydrate nuit, donc élastiques et ajustables, mais également pour les foulards hydrate jour. Et d'ailleurs, on va passer aux foulards. Donc les foulards, je pense que tu l'auras peut-être deviné, c'est ce que je porte en ce moment sur la tête. J'ai pris ce motif-là et je le trouve vraiment très 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 classe, ce motif-là. Franchement, je le trouve très classe. Et sur une tenue comme ça, où aujourd'hui j'ai un pull tout blanc, bah ça met toute la tenue en valeur. Et je trouve que ça rajoute vraiment un côté classe en fait à la tenue. Donc le foulard en fait est composé comme pour le bonnet de satin et de wax. Donc c'est les mêmes motifs comme je t'ai expliqué. Et tu as également deux bandes qui vont te permettre ici de venir attacher tout simplement le foulard. Donc si tu n'as pas l'habitude d'attacher des foulards ou que tu ne sais pas attacher des foulards ou que le matin en général tu n'as pas le temps de te coiffer en 30 minutes ou quoi que ce soit, bah tu as ce bonnet, ce foulard-là pardon, qui peut t'aider à faire ton attaché de foulard vraiment en 3 secondes et demie, tu vois. Donc voilà. C'est très facile d'attache, même si tu es expérimenté dans l'attaché de foulard, ce sera toujours une occasion pour toi d'avoir un foulard qui est vraiment respectueux de tes cheveux, puisqu'il y a du satin encore une fois à l'intérieur. Et ce satin-là va te permettre de garder l'hydratation dans tes cheveux toute la journée pour le coup, puisque c'est un foulard. Si tu veux, tu peux dormir avec, mais c'est un foulard, donc tu peux bien évidemment sortir avec ton foulard. Et pourquoi en fait un foulard en satin et en wax? Parce que en général, on est obligé de mettre un bonnet en satin sous son foulard avant de le porter si on veut pas avoir les cheveux secs à la fin de la journée. Et là, avec le satin, ça va te permettre vraiment de garder tes cheveux, de maintenir l'hydratation dans tes cheveux toute la journée. Je vais également rajouter que tu as la possibilité donc de te procurer les bonnets hydrate nuit et les foulards hydrate jour bah, en détail, mais tu as également la possibilité de le faire en lot, donc d'acheter le lot. Donc un lot, c'est égal à un foulard hydrate jour plus un bonnet hydrate nuit élastique. Donc voilà, tout ça c'est sur le site bien sûr, mais je te donne quand même l'information. Tu peux avoir le lot des deux qui te revient du coup moins cher, donc c'est plus intéressant pour toi si jamais tu es intéressé par ces deux produits-là. Ensuite, on passe aux nouveautés. Donc pour les nouveautés, c'est d'abord le bonnet auto-chauffant. Donc le bonnet auto-chauffant, en fait pour ça, il y a deux motifs. Il y a ces deux motifs-là, comme ça. Et en fait, ce sont des bonnets qui sont en plastique. Le bleu que tu vois là, c'est du plastique. À l'intérieur du bonnet, tu as de la mousse et de l'autre côté, tu as du wax. En général, quand je fais un soin, donc quand je fais une vidéo et que je fais un soin, je te montre voilà, que je mets d'abord une charlotte en plastique et ensuite que je mets mon bonnet hydrate nuit. Donc à partir de maintenant, grâce à ce bonnet-là, tu n'auras plus besoin de mettre une charlotte en plastique ou alors du film alimentaire ou un sachet que tu trouves comme ça chez toi. Ensuite, un foulard dessus ou quoi que ce soit pour créer de la chaleur. Avec ce bonnet-là, tu as tout dans le bonnet. C'est-à-dire que tu as la partie plastique qui est imperméable et donc que tu peux mettre directement sur tes cheveux. Ensuite, tu as la partie mousse qui va te permettre du coup de gonfler le bonnet. Donc là, tu vois que le bonnet, il est vraiment épais. Je sais pas si tu arrives à le voir, mais il est vraiment épais. Et même au niveau du pourtour de la tête, ça fait pas du tout mal. C'est vraiment une matière qui est vraiment épaisse. Donc, qui va vraiment épouser le contour de ta tête. Et en fait, la mousse va te permettre de créer une chaleur douce et naturelle pour booster l'efficacité des cheveux. Donc, lorsque tu fais un soin, il faut appliquer une source de chaleur qui va pouvoir permettre au soin de rentrer dans la fibre capillaire. Et ce qui est bien avec ce bonnet-là, c'est que tu n'as pas besoin de brancher ou quoi que ce soit. Donc, tu peux vraiment vaquer à tes occupations lorsque tu portes ce bonnet. Donc, tu mets ton soin, tu appliques ton soin tranquillement, tu mets juste ce bonnet. Tu n'as plus besoin de charlotte en plastique, donc tu n'as plus besoin de jeter du plastique à chaque fois que tu fais tes soins. Donc, c'est également un coup de pouce pour la planète. Et on dit pas non puisque une fois que tu as fini de mettre ton soin, que tu as fini de l'appliquer, que tu enlèves ce bonnet, tu as juste à le nettoyer avec une éponge savonneuse et on n'en parle plus. Donc voici les avantages de ce bonnet. Je rappelle qu'il existe en deux
motif, et c'est exactement la même chose bien sûr pour les deux. Pour finir, je vais te présenter les peignes. Donc ce sont des peignes afro, comme ça en bois d'ébène. Ces peignes sont vraiment magnifiques, ils sont d'une superbe qualité, ils sont hyper épais, franchement c'est juste trop trop beau je trouve. Donc ce sont des peignes afro en bois d'ébène comme je le disais, et ce sont des peignes qui vont te permettre donc de donner du volume à tes cheveux, puisque tu sais que pour les cheveux naturels, quand tu te coiffes, si tu fais un twist out par exemple, tu peux venir soulever un petit peu tes cheveux, la racine de tes cheveux avec ce peigne là. Tu peux également démêler tes cheveux avec ce peigne, puisque ça, en fait avec le bois tu auras moins de frottement qu'avec le plastique, donc tu auras moins de casse, et ça te permettra donc de démêler tes cheveux avec douceur. Et le bois permet également d'éliminer toute forme d'électricité statique dans les cheveux. Donc voilà, mais je trouve que déjà ces peignes à eux seuls, c'est vraiment une œuvre d'art. Et c'est fait par des artisans, comme je disais tout à l'heure, au Togo, avec franchement une connaissance, mais vraiment incroyable du bois, et je trouve que c'est vraiment hyper hyper beau. Donc sur le site tu as plusieurs photos si tu veux voir de près, mais là tu peux voir qu'il y a vraiment des détails, du travail qui a été fait sur le bois. Et donc voilà, en plus du lot dont je te parlais tout à l'heure, tu as également des coffrets de Noël sur le site. Donc pour les coffrets de Noël, tu as 24 possibilités. Tu as 24 combinaisons possibles en fait. Donc quand tu vas sur le site, si tu cliques sur coffret de Noël, tu verras qu'il y a 24 photos différentes correspondant aux 24 possibilités. Donc tu as un menu déroulant qui te permet de choisir le coffret que tu recherches en fait, le coffret que tu veux. C'est numéroté de 1 à 24 et tu as la possibilité de choisir ce que tu veux parmi les 24 possibilités. Et dans le coffret de Noël, en fait, tu vas retrouver un bonnet chauffant, un bonnet hydrate nuit élastique et un peigne afro. Et c'est une superbe idée cadeau, je trouve, pour les fêtes de Noël. Vraiment, c'est que ce soit le coffret de Noël, que ce soit le lot, que ce soit même un bonnet, enfin, tous les articles là, franchement, je suis trop fan de tous les articles, que ce soit pour les motifs ou pour leurs avantages, hein, pour les avantages qui donnent à tes cheveux, pour ta routine capillaire, etc. C'est vraiment de superbes idées pour les cadeaux de Noël. Et je rappelle qu'à partir de 20€ de commande, tu as un cadeau en plus dans ta commande, dans ton colis. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait sur la boutique pour la nouvelle collection. Là, je vais te montrer, je pense que la vidéo va durer un petit peu longtemps, du coup je vais essayer de couper au maximum. Mais là, je vais te montrer dans la suite comment j'emballe et j'expédie vos commandes. Alors, je vais commencer avec les commandes solo, entre guillemets, où donc c'est un seul article qui a été commandé. Donc pour faire mes colis, j'ai besoin de mes cartes, ces trois cartes-là, je te les ai présentées dans la vidéo lancer son e-shop, packaging, etc. Je t'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, n'hésite pas à les regarder, puisque je te montre tout ce que j'utilise pour mon packaging, que ce soit ces cartes-là ou même les pochons, les enveloppes, les cartons que je vais utiliser. Donc n'hésite pas à aller checker plutôt ça. Pour les commandes d'un bonnet, j'utilise une enveloppe dans laquelle je vais directement mettre l'article. Je rajoute une carte de remerciement, une carte pour souhaiter d'excellentes fêtes et une meilleure année, une merveilleuse, pardon, année 2021, ainsi que la carte de visite. Donc quand c'est bon, je vais venir écrire le prénom de la personne, le nom, le prénom de la personne, pour ensuite pouvoir faire l'étiquetage par la suite. Cliente, je vais venir rajouter un petit fouet que j'utilise également toutes les semaines pour faire mes DIY capillaires. Donc je vais venir lui rajouter ça et j'espère encore une fois que ça fera plaisir à cette cliente. Donc quand c'est des gros colis comme ça, je prends un carton.
Donc dans le fond du carton, je vais venir mettre des particules de calage. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un colis bien fait, bien joli, etc. Je vais venir placer les articles. Je vais venir mettre les cartes. Pour les cadeaux ici, je vais venir ajouter les cuillères doseuses qui me permettent donc de doser chaque ingrédient que j'utilise pour mes DIY encore une fois, ainsi qu'un chouchou en satin. Je vais lui laisser ça comme ça. Hop. Alors ici, il s'agit d'un coffret de Noël. Donc c'est le tout premier coffret de Noël que je vais emballer. Donc pour ça, j'utilise ce carton. Je te l'avais montré encore une fois dans la vidéo sur les packaging, etc. Il s'agit ici du bonnet auto-chauffant Heavy. Plus ce bonnet élastique là. Et ce peigne afro là. Donc c'est fini pour les commandes que j'ai pour l'instant. Donc je pense que je vais pas faire la partie expédition parce que ça va être déjà hyper long. Là ça fait 20 minutes, tout à l'heure j'avais filmé déjà 15 minutes. La vidéo va être très longue si je vais vous montrer aussi en détail la partie expédition. Donc je pense que je vais m'arrêter là, sachant que pour la partie expédition, pour t'expliquer ça rapidement, tu peux aller directement à la poste et le faire directement à la poste. Mais je trouve ça trop long, donc je préfère le faire chez moi. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée pour ça, mais au moins je t'ai montré la partie emballage. Et voilà, sinon pour expédier tes commandes, tu peux directement, le plus simple c'est d'aller directement sur le site de la poste et tu verras que tu peux imprimer, en fait, si tu as une imprimante à la maison, tu peux imprimer tes timbres directement de chez toi. Donc c'est juste comme ça que je fais, c'est pas plus difficile que ça. Donc je me dis que ça sert à rien de vous montrer cette partie là mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'être resté là jusqu'au bout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à me laisser les commentaires que tu as, si tu as des questions par rapport à, que ce soit par rapport à la collection en elle-même ou que ce soit par rapport à la façon dont j'emballe et que je ship les commandes. Que j'expédie, pardon, les commandes. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !